Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, ce mois de mai a commencé aussi à 100 à l'heure. Alléluia. On a eu nos 3 jours de jeûne et prière. Qui a suivi ce moment de jeûne et prière? C'était très, très, très fort, très puissant. On a eu des puissants moments de prière. Qui a fait la prière? Qui a fait les prières? Qui a commencé à voir les effets? Qui a commencé à voir les effets? Amen. Voilà, mon moment de prière, je ne sais pas que j'ai réveillé et puis détruit certaines autres choses. Il dit, ah bon, je ne savais même pas encore qu'il y avait un petit hôtel caché quelque part. Ouais, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai fait un rêve là, j'ai dit, ah, ce truc-là existait encore. Il dit, waouh. Puis bon, j'ai balayé ça rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons eu 3 jours de jeûne et prière pour renverser les hôtels sataniques. Et durant le mois de mai, en fait, on sera dans une atmosphère de victoire spirituelle contre les ennemis, contre l'adversité. Amen. Donc, un des moyens de l'ennemi d'attaquer les hommes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les autels. Les autels. Ne voyez pas forcément, n'imaginez pas forcément un lieu où on a posé des objets. C'est tout un système. Ça peut être ça, ça peut être des blessures intérieures. En tout cas, c'est un système par lequel une voix crie et invoque de manière chronique, de manière constante, de manière régulière, des esprits qui viennent opérer et faire des victimes. Donc, nous avons renversé les autels. Là, par exemple, il y a les combats de délivrance. Quand tu pries et tu chasses un démon, ça fonctionne, les démons partent. Mais si l'oppression qui est dans la vie d'une personne est causée par un autel, l'autel opère depuis l'extérieur. Et quand bien même la personne est délivrée, si par exemple il y a un autel qui crie contre la santé de quelqu'un, vous pouvez prier, chasser la maladie, le démon de la maladie part, et l'autel va encore faire des incantations, faire des invocations et appeler encore un autre esprit de maladie. La maladie sera peut-être cette fois-ci différente, mais la maladie va revenir. Donc on a appris pendant toute cette période à renverser, on a appris à renverser les autels et à bâtir des autels de Dieu. Amen. Et on est toujours dans cette dynamique de combat spirituel, de victoire spirituelle durant le mois de mai, parce que le mois de mai, on utilise la 5e bénédiction. Dis avec moi ma bénédiction numéro 5. Voilà. Dieu t'a béni de cette bénédiction qui est stipulée en Deutéronome chapitre 28, verset 7. Elle dit, Deutéronome 28, verset 7, on peut le lire ensemble, là, comme pour l'afficher. Il est dit, l'Éternel te donnera la victoire. Est-ce qu'on me suit du côté de la régie? Ok. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Au nom de Jésus, que tout ennemi qui vient contre toi s'enfuit devant toi par 7 chemins. Au nom de Jésus. Ce mois-là, c'est un mois où les ennemis vont fuir en cascade devant toi dans le nom de Jésus. Je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions. Et la 5e bénédiction, c'est de te donner la victoire sur l'adversité, sur les ennemis. Les faire fuir. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu marches pour atteindre ta destinée, tu rencontreras sûrement, certainement, des ennemis, des adversités. Ok? Les autels en font partie. Et il y a plusieurs formes, ou bien la façon dont l'ennemi attaque, à plusieurs axes, à plusieurs angles. Et je te conseille vivement de prendre cet ouvrage, de le lire, de le méditer. Lui, en priorité, il présente ce que j'appelais les avatars ou les avatars de l'ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Jésus dit dans sa parole, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'ennemi, celui qui veut ton mal, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un voisin que tu connais, ce n'est pas une personne physiquement. Même si quelqu'un que tu connais physiquement veut ton mal, veut te nuire, c'est parce que lui-même, il est utilisé par un sort, par un démon qui veut ton mal. Donc l'ennemi, c'est une entité invisible. Mais pour que Satan se manifeste dans le monde visible, pour qu'il te nuise, il va passer quelquefois par des personnes, mais il peut passer par des circonstances. Alors le moyen qu'il utilise pour se manifester, c'est celui-là qu'on appelle un avatar. En tout cas, dans celui, je l'appelle avatar. Parce que qu'est-ce que c'est que les avatars? Dans le domaine informatique, dans le domaine des réseaux, c'est la forme, le visage qu'on emprunte pour fonctionner au niveau d'un,
d'Internet, d'un réseau social, par exemple. Donc, si tu vas... Qui a des avatars sur Internet? Dans quoi? Tu as un avatar dans quel truc? Je n'entends pas bien. Sur WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, ce n'est pas toi. Sur WhatsApp, c'est-à-dire, en fait, c'est le visage que tu prends pour fonctionner dans un environnement donné. Souvent, il y a des jeux des enfants. Tu utilises un personnage. Tu prends un nom, tu as un visage. On l'appelle dans le jargon avatar. Bon, à l'origine, c'est un nom qui vient d'une divinité indienne. OK? Et qu'on a utilisé parce que quand les époux voulaient se manifester, ils rentraient dans le corps d'une personne pour opérer sur la terre. Et donc, le corps qu'ils utilisaient était appelé avatar. On a fait un parallèle dans le monde physique, dans le monde informatique, pardon, et on l'appelle aussi des avatars. Alors, pour faire... Puis, il y a eu le film, l'avatar. Vous avez regardé le film, non? Voilà. Hein? Où là, cette fois-ci, c'était les hommes même qui étaient comme les démons. Et ils rentraient dans des corps des personnes qui étaient de cette planète-là et puis ils se manifestaient. Alors, le diable procède pareillement. Il ne peut pas interagir avec la matière. Il ne peut pas te toucher. Donc, il va passer par des personnes. Il va inspirer des gens. Et le combat spirituel que tu mènes va dépendre de la personne qu'il utilise ou des systèmes qu'il utilise. Si par exemple Satan passe par tes frères pour te combattre, tu n'as pas avoir la même réaction que s'il passait par exemple par un de tes patrons, par quelqu'un qui est établi sur toi. Ok? Si par exemple il y a des gens qui sont poursuivis souvent même par leur propre papa spirituel, par leur papa. Le papa les attaque sur le plan spirituel. Quand tu le vois ton papa physiquement, tu fais comment? Voilà. Il y a une attitude à adopter qui est différente. Si par exemple il passait par un collègue qui voulait t'envoûter, c'est pas pareil. Donc le patron est un avatar, ton papa peut être un avatar, ton collègue peut être un avatar. Il y a à peu près 3 types comme ça. Il y a 5 types d'avatars. Vous avez tout ça dans cet ouvrage. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quelle que soit la forme qu'il va prendre pour t'attaquer, dans le nom de Jésus, il arrive contre toi par un chemin, mais je déclare qu'il s'éloigne de ta vie en fuite. Ce mois de mai, le diable fuit devant toi avec la poussière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cet ouvrage va t'expliquer que la forme qu'il prend pour t'attaquer détermine des faveurs qui vont t'arriver. Si le diable t'attaque par le haut, c'est-à-dire un responsable de combat, depuis le haut, un responsable de combat, c'est que tu vas connaître une élévation. Que cette saison, tu rentres dans ton élévation au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a différents types d'avatars. Et ton corps, même toi, ta chair peut être ton avatar. Et je vais dire un mot là-dessus aujourd'hui qui est très important. Amen. Vraiment, lisez votre ouvrage. Prenez-le, méditez-le. Il va vous aider à comprendre beaucoup de choses. OK? Dans ce livre, je parle... j'ai créé un sigle là, que j'appelle le CAT ou KATE. C-A-T-E. C-A-T-E. CAT ou KATE. Si tu veux lire ça en anglais. OK? Donc, qui explique les axes d'attaque de l'ennemi. OK? Le C, pour parler de la cible. Quelqu'un est avec moi, C pour cible. Alors, quand l'ennemi vient t'attaquer, il cible quelque chose. Il cible quelque chose de ta vie. Il peut venir t'attaquer en ciblant ta santé. Il peut venir t'attaquer en ciblant ton foyer. Il peut venir t'attaquer en ciblant tes enfants. Il peut venir t'attaquer en ciblant quelque chose, en tout cas, qui a de la valeur pour toi. Mais le but, c'est de t'abattre, c'est de t'affecter. Donc, il attaque la cible, ce n'est pas une chose qui est négative. La cible, c'est qu'est-ce qu'il vise, qu'est-ce qu'il veut toucher, comment est-ce qu'il veut m'atteindre, comment est-ce qu'il veut me toucher. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que tout ce qui est à toi est sous la protection du sang de Christ dans le nom de Jésus. Toute cible qu'il visait, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Et il n'atteint pas la cible. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ah, c'est la cible. C'est pour cible. A, dans quête pour parler de avatar. Donc l'avatar, c'est la personne qu'il va prendre pour atteindre la cible. Si on passe par un patron, ta cible, la cible, ça sera ton travail. Et le monsieur va commencer à combattre. Il veut que tu partes du travail. Le patron, quand un patron te combat, quand Satan passe par un patron pour te faire quitter un poste, par exemple, ça c'est un avatar numéro 2. S'il passe par des collègues qui vont le voir et puis qui commencent à mentir sur toi, raconter des choses, mais ce sont tes collègues, ce ne sont pas tes patrons. Ça, c'est avatar numéro 3. OK? Si tu connais tous les autres,
t'en ouvre ton livre, ok? Donc, quelle que soit la forme qu'il prend, dans le nom de Jésus, il vient contre toi par un chemin, il s'enfuit par sept chemins, au nom puissant de Jésus. Alors maintenant, lorsque l'ennemi attaque, après qu'il soit passé par une personne, il va utiliser le T, ce qu'on appelle les traits. Les traits, c'est un mot dans l'ancien français qui veut dire flèche, les flèches. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre de Éphésiens, il est dit, portez, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits, ça veut dire toutes les flèches du malin. Alors, quand l'ennemi attaque, il utilise des flèches. Les flèches, c'est le projectile. Autrement dit, ça va se traduire par, Satan peut te flécher par le mensonge, par des calomnies. Tu vois? Tu vas au travail et puis il passe par l'avatar de tes collègues qui racontent n'importe quoi contre toi. Donc, ils peuvent être contre toi, mais qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour te faire mal? C'est ce qu'on appelle les flèches, la calomnie, les mensonges, les commérages, toutes sortes de choses qu'ils utilisent contre toi. Il y a d'autres types de flèches qu'on appelle les envoûtements. Les envoûtements. Et hier, au samedi des miracles, j'ai parlé de comment sortir des envoûtements. Ce sont des envoûtements. Dans les envoûtements, il y a plusieurs types encore. Il y a les sorts, les sortilèges, c'est-à-dire la sorcellerie même, ils font des incantations, puis on appelle des esprits contre toi. Quand les autels parlent, ce qui vient t'atteindre, ce sont des traits, les traits enflammés du malin. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, vous allez éteindre toute forme de flèche, d'envoûtement, tout projet, les calomnies, les mensonges, tout ce qu'on dit contre toi, tout cela sera voué par l'échec. La séduction. Satan peut passer par une Jézabel pour te séduire. Donc, quelle flèche? Donc, avatar, une jolie fille. Je connais des gens, les avatars, c'était leur collègue. Le collègue vient la draguer, il vient te draguer. Pendant que ton mari te fatigue à la maison, lui, il est beau, il est attentionné, il vient. C'est un avatar. Quand c'est un garçon comme ça qui vient te séduire, ton collègue, avatar 3, et puis il arrive, maintenant il utilise les flèches de la drague et de la séduction, des petits cadeaux attentionnés. Pendant que ton mari ne s'est pas dit que tu es belle, lui dit, waouh, t'es charmante. Ça, c'est une flèche. Il t'a fléché. Ça touche ton cœur. Pic. Tu dis, voilà quelqu'un qui m'aime. Voilà quelqu'un qui pense à moi. La Bible appelle les traits enflammés. La flamme commence à entrer dans ton cœur. Et subitement, tu commences à être attiré par lui. Et si tu ne fais pas attention, le temps de comprendre, te voilà dans l'adultère. C'est pourquoi la Bible appelle les traits enflammés. C'est-à-dire que ça te pique une partie, puis ça crée un feu. Le feu prend tout ton corps. Mais c'est une petite parole. Tu es belle. C'est une flèche. On peut t'énerver aussi. Quelqu'un peut venir te provoquer, te mettre en colère. C'est une flèche. Quelqu'un peut venir dire, je ne t'aime pas, je te déteste. Et puis toi, ça te met de la colère. Et t'envoie une flèche. Donc la flèche peut prendre différentes formes. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la forme qu'une flèche a pris contre toi, elle est éteinte au nom de Jésus et elle n'atteint pas sa cible. C'est parlant des flèches que Dieu dit, par exemple, dans le psaume 91, il te protège des flèches qui volent le jour, qui volent la nuit. Tu es protégé de toute flèche de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et le E de Ketch, c'est l'ennemi. Ça veut dire c'est le diable, c'est les démons, c'est les esprits cachés derrière. Alors donc, ton livre, dans ce livre-là, tu vas apprendre à faire fuir les ennemis. Et les ennemis, on les fait fuir. Dieu a trois modes opératoires pour détruire tes ennemis. Il y a eu le E, là, Satan et les démons. Il a trois modes. Quelle que soit la situation que tu vis, que Dieu utilise, c'est-à-dire que ce mois de mai, je sens que beaucoup d'entre vous vont passer à la phase numéro 3. C'est la phase ultime, la phase la plus dangereuse. La première phase, quand les ennemis t'attaquent, Dieu les fait fuir, il les met en déroute. C'est ce que la bénédiction 5 dit. Tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Que cela ait lieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Quand les ennemis s'enfuient, il arrive qu'il puisse revenir. Jésus a dit, lorsqu'un esprit est sorti, il va et il cherche à revenir. Alors, quand les esprits ont la tendance à partir, revenir, Dieu tourne son bouton, il passe et dit phase 2. La phase 2, c'est ce que Dieu dit en Genèse, dans plusieurs passages. Dieu dit à des personnes, il dit, je te donne la clé, mais je te donne la porte de tes ennemis. C'est une bénédiction de guerre spirituelle contre l'adversité. Dieu dit, je te donne la porte de tes ennemis. Celui dont la bénédiction numéro 5 est passée à la phase 2, c'est-à-dire Dieu ne les fait plus fuir seulement, mais il te donne la porte.
de tes ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je trouve où je parle des phases ici. Que Dieu te donne la porte de tes ennemis. Que Dieu te donne la porte de tes ennemis. Alors, celui qui a la porte des ennemis, il a le contrôle des ennemis. C'est comme si tu as leur porte. Ça veut dire que tu peux déterminer s'ils vont sortir. Voilà, merci. C'est Genèse 24, verset 50. Il y en a d'autres encore. Il bénit Rebecca et lui dit, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Celui qui possède la porte des ennemis contrôle. Ça veut dire, dit au démon, tu sors ou tu ne sors pas. Je te paralyse. C'est la capacité à paralyser. Dans phase numéro 1, tu chasses. Phase numéro 2, tu la sujettis, tu le contrôles. Tu contrôles la situation. Par exemple, tu travailles dans une entreprise, les collègues étaient en train de t'attaquer. Quand Dieu passe en phase numéro 2, ils ne deviennent plus des collègues, tu deviens leur patron. Tu dis, ouais, vous disiez quoi là? C'est vous qui parlez là. Tu as le contrôle. Que cette saison, tu possèdes la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Que tout ennemi qui se dresse contre toi, que tu possèdes sa porte au nom de Jésus. Dieu dit ceci à Pierre, je te donne les clés. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Celui qui a la porte des ennemis contrôle les portes. C'est-à-dire, tu traumatises les sorciers. Tu possèdes les portes. Quand tu arrives au village, ils ont peur de toi. Tu les traumatises. Deviens traumatiseur. Au nom de Jésus. Votre amen là, me connaît pas, André. Je suis en train de libérer des paroles de guérison, de délivrance. Je commence par ça pour te bénir, pour te donner la victoire, en fait. Vous savez que toute victoire est par parole. Je déclare la parole. Amen. Alors, quand tu as la porte des ennemis, c'est très bon. Mais quand même, il arrive qu'il y a des ennemis qui arrivent à se glisser par la fenêtre et à sortir. Alors, quand un ennemi, malgré que tu l'aies lié, paralysé, fatigué, bloqué, persiste à vouloir ton mal, Dieu tourne le bouton. Phase 3. Là, c'est pas bon. La phase 3, c'est l'anéantissement. Dieu dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Dieu avait tenté, quand il est venu délivrer, lorsqu'il est venu délivrer Israël, vous voyez ça dans la guerre contre Israël, dans la guerre contre l'Égypte, pardon. Vous savez l'histoire de Pharaon avec Israël du temps de Moïse, c'est une guerre d'autel. C'est une guerre des autels. La Bible dit par exemple dans le livre de Exode 12, 12 et puis de Nombre 33, verset 4, il est dit, regarde Nombre 33, verset 4, il est dit, et les Égyptiens entraient, enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. Et il est dit, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Et vous voyez la même chose en Exode 12, 12. Les 10 plaies que Dieu a utilisé pour frapper l'Égypte afin que les Israélites sortent. Dieu n'était pas en train de juger le peuple seulement. Chacune des plaies visait une divinité d'Égypte. Ça veut dire quoi? Pour maintenir Israël en captivité, les sorciers, les œuvres occultes avaient utilisé 10 entités sataniques. 10 divinités. Donc lorsque Moïse arrive et puis il dit, Dieu change l'eau en sang, il est en train d'attaquer un esprit. Lorsqu'il dit, la terre devient des boues, il attaquait. Et chaque esprit, chaque divinité était marqué par un autel. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, vous voyez que Moïse arrive et puis il dit, il renverse l'autel. Dieu lui dit, lève-toi tôt le matin et va et dis Pharaon, laisse aller mon peuple. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, Dieu change les eaux en sang. Il venait de frapper une divinité. Mais c'était un autel qui réclamait. Et juste après qu'il ait fait ça, Pharaon se levait et puis il dit, je vous libère. Quand vous lisez, par plusieurs fois, Pharaon a dit, partez. Et le lendemain, il s'est ravisé. Parce qu'il venait de vaincre l'autel numéro 4, mais l'autel numéro 5 a commencé à parler pour dire, ils ne s'en vont pas. Donc le monsieur, hier, il est d'accord. Le lendemain, il dit, je ne laisse plus partir. Alors, quand vous avez une succession d'autels comme ça qui combattent, vous avez l'impression à un moment donné, après un combat, tu dis, waouh, Jésus m'a délivré. Mais ça dépend du nombre d'autels. Il y a Étiel, autel 5, qui se met en travail et qui commence à crier. Dans tout qu'on fait, tout, chacun de ces 10 autels avait l'objectif de maintenir les Israélites en captivité sous le joug égyptien. Donc, l'Égypte avait utilisé 10 chaînes, 10
pour maintenir la personne, pour maintenir Israël. Dieu est passé par Moïse et il a frappé toute cette divinité. Je déclare dans le nom de Jésus, quel que soit le nombre d'autels qui crient contre ta vie, avant la fin de ce mois de mai, tous ces autels-là sont ravagés au nom de Jésus de Nazareth. Je viens prophétiser la fin du règne des manifestations des autels sataniques dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque autel a son cri. Mais à la fin de l'histoire, la vie n'avance pas. Il y a quelques jours, je priais pour une dame. Peut-être même qu'elle est en train de me suivre, m'a suivi hier. Je priais pour l'enfant d'une dame. Et pendant qu'on prie, on prie pour la délivrance de l'enfant. On prie parce qu'il entend des voix. Et tu sens que les esprits sont en train de l'amener dans la démence. Et je ne comprenais pas parce que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait la délivrance. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai renversé les autels, on a fait tout ça à l'enfant. Et l'esprit est revenu sur une chose. Il dit, tu sais, c'est l'histoire des autels. Hein. Tu chasses, tu chasses l'esprit. Mais l'autel ne possède pas l'enfant. L'autel est toujours à côté. L'autel est à côté et l'autel crie. Donc même quand tu as chassé le démon qui est en train de le rendre malade maintenant, le démon s'en va, mais l'autel envoie encore un autre en mission. Tu le découpes, l'autel envoie un autre. Donc la personne va bien, après elle recule, elle avance, après elle va en arrière, elle avance, après elle va en arrière. Et cet enfant-là, ça paraissait comme ça. Donc quand on était dans le combat des autels, on a attaqué l'autel. Et puis j'ai demandé, mais cet esprit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai parlé maintenant, j'ai parlé à la mère. Donc la mère m'explique l'histoire. En fait, c'est une famille où, bref, plusieurs de ces patriarches, côté paternel comme côté maternel, pour avoir du pouvoir ici en Côte d'Ivoire, ont fait des formes d'alliance avec des eaux, avec différents esprits. Et dans les esprits, les pratiques qu'ils ont faites, donc le patriarche du côté de la mère a eu un esprit. Peut-être certains le font sciemment, d'autres inconsciemment. Parce que quand les gens vont voir, vous savez, les démons ne donnent rien. En fait, il va prendre une eau, il dit... Rends-moi intelligent, fais bénir mon commerce. Mais Satan ne peut pas te créer l'intelligence parce qu'il n'a pas créé l'intelligence. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller voler l'intelligence de quelqu'un et puis te la donner. Donc chez lui, ça s'est passé comme ça. Ce monsieur-là a tous ses enfants, dans toutes les... il a plusieurs enfants, des dizaines d'enfants, qui fait des dizaines de familles. Il y avait la folie partout. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les autels-là rentraient dans ses enfants et dans ses petits-enfants et dans la lignée pour rendre quelqu'un fou. Ou pour rendre quelqu'un drogué. C'est comme ça. Donc, pour que l'autel soit alimenté et que lui qui a voulu du pouvoir, pour qu'il ait le pouvoir, il fallait qu'il le tire de sa descendance, des enfants les plus intelligents, de ceux qui avaient une destinée particulière. Donc, les démons là partaient réclamer. Comme sont ses entrailles, il les a déjà livrés le jour où il faisait sacrifice là au bord de l'eau. Donc, il fallait renverser l'autel. Et l'esprit me dit, non, c'est pas une seule lignée. Dans la lignée maternelle, dans la lignée paternelle, chacun a quelques autels. Donc, massacre de tous les côtés. Parce qu'effectivement, amen, il a fallu aller sur toutes les branches. Quel que soit le nombre de branches paternelles, quelles que soient les lignées, dans le nom de Jésus, je lève ma main dans le nom de Jésus. Que tous les autels, lignées gauche, droite, devant, derrière, soient renversés par le bras puissant du Seigneur. Autel, je crie contre toi et je dis, tu te tais et je te renverse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est très important de renverser les autels. Alors, Moïse a renversé 10 autels. Dieu est passé par Moïse pour renverser 10 pour qu'Israël soit libre. Et puis, chaque fois, Pharaon est là, il change d'avis. Je laisse aller. Donc, les gens ont l'impression que c'est fini, on a eu la victoire. Le lendemain, il maintient encore la pression. Et parmi les autels, il y en a même qui étaient encore plus sévères. Plus il demandait la délivrance, le prochain il attaquait encore plus. Il faisait empirer la situation. Mais Moïse est resté ferme et il les a renversés. Reste ferme. Ne doute pas de ton Dieu. Le travail qu'il a commencé à faire, il va l'amener à son terme. Ne panique pas. Ne dis pas que tes prières d'hier n'ont pas marché. Tes prières d'hier ont marché. Tes prières d'hier t'ont donné une victoire. Le problème, c'est qu'il y avait plusieurs autels. Vous savez, c'est très important. Et là, je l'ai expliqué à Nat Fire. C'est très important qu'un autel qui est renversé soit remplacé par un autel divin. Ok? Il faut les remplacer systématiquement. Il y a eu 10 divinités qui ont été renversées. Et je vous enseignais que dans le désert, Dieu a fait passer Israël 10 épreuves. C'est-à-dire, donc c'est 10 pour 10. Il essayait de bâtir dans leur vie une certaine révélation du Christ pour remplacer ce que ces faux démons-là, ces faux dieux,
apporter à Israël. Donc, Dieu enlève un et puis il remplace. Il enlève, il remplace. Donc, il a remplacé les 10. Bref, ce sur quoi je vais arriver, c'est que malgré que Moïse ait renversé les 10 autels, quand la 10e plaie a frappé, Pharaon même qui a perdu son premier fils, les Égyptiens qui ont eu des morts se sont levés tous ensemble. On dit cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Moïse, toi et ton peuple, on n'en peut plus. Allez-y, on vous laisse partir. Pardonnez-nous même d'avoir essayé de vous retenir. On n'en peut plus. Et Pharaon les a laissés partir. On leur a même fait des dons et des offrandes. Allez-y en paix. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Pharaon s'est levé. Là, c'était plus une divinité. C'était Pharaon lui-même. Celui qu'on appelle le gardien des autels. Ce mois-là, je sens vraiment qu'il y a des gardiens d'autels qui vont tomber. Oui. Alors, les gardiens d'autels, car quand vous lisez les textes, Dieu dit, chaque fois, il dit, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon n'est pas frappé. On frappe l'eau, on frappe le sol, on frappe d'autres choses. Mais Pharaon, là, pourtant c'est lui qui tient. Parce que Dieu lui dit, Pharaon, laisse partir. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. On croit que c'est une décision politique, mais c'est une guerre spirituelle. Parce que Dieu lui dit, va à des heures précises de la journée, et puis il lui dit, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Et en même temps, il dit, si je ne laisse pas partir mon peuple, la lumière va partir, il va faire des ténèbres. Il y aura ténèbres. Donc, c'est comme si Dieu frappait des choses autour de Pharaon. Après, maintenant, il est rentré dans ce que Pharaon m'aimait. Mais c'était la première menace. Il a frappé son enfant. Il dit, il faut te méfier de moi. Mais Pharaon, malgré que son enfant soit mort, Israël est parti au bord de la mer. Pharaon s'est levé. Vous savez, il y a des gardiens d'hôtel qui sont inconscients. Il y en a d'autres qui, quel que soit le combat spirituel, c'est-à-dire on a coupé leur fétiche, brûlé ça, détruit, mais il se réveille encore. Il dit, il ne peut pas te laisser partir. Il va te maintenir dans les célibats, il va te maintenir dans la stérilité, il va te maintenir dans les palabres de couple, il va te maintenir. Il y a des gardiens d'hôtel durs comme Pharaon. C'est ceux-là, c'est pour ce genre de personnes que Dieu passe à la face numéro 3. Il va l'exterminer. Ah ouais? La phase numéro 3, ça c'est quand on a tout fait pour t'expliquer, puis tu veux rien comprendre. Tu es assis là-bas en train de faire la sorcellerie, on t'explique que cette dame-là, elle appartient à Christ. Laisse-la partir. Mais tu dis non, non, non. Parce que tu n'es qu'un simple avatar. Satan passe par toi. Mais si maintenant toi-même tu veux te transformer en diable, Dieu va régler ton affaire. Dieu veut que le sorcier se répande, Dieu veut qu'il se convertisse. Mais si malgré tout ce que Dieu fait, malgré toute la gloire qu'il voit, la manière dont Dieu te protège, il t'a attaqué à gauche. Il y a longtemps qu'il veut prendre ta vie, mais il n'y arrive pas. Il attaque, Dieu te délivre. 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 Il met les tacs, Dieu te délivre. Et puis s'il persévère, dans ce mois de mai là, Dieu prend son bouton et une phase 3. Alléluia. André, il y a beaucoup qui attendent la phase 3. Hein. Quand les gars sont fatigués, ils attendent la phase 3. Alors Pharaon a suivi Israël. Dieu a ouvert la mer en deux. Il dit à son peuple, passez. Et Pharaon est venu. Mais toi, comment un homme? Tu vois que la mer a été ouverte en deux. Quelle folie te prend? Et puis tu vas oser. Vous savez, une fois j'étais à l'église, vous savez, moi, je dis aux sorciers, je suis patient. Souvent, parce qu'ils arrivent à l'église, ils tentent. Un soir, l'extermination, ça arrive souvent de manière cyclique. Un soir, on était au rendez-vous des champions. D'abord, dans la semaine, j'avais commencé à menacer les sorciers. J'ai dit, faites attention. Vous arrivez dans la salle, vous voyez, on est relâché, et puis vous vous envolez. Là. Un matin, donc, il y a quelqu'un qui était sur la droite. Elle a décollé pour venir attaquer. C'est comme s'il y a un ange qui était là. Il a sorti son épée. Il l'a frappé. En même temps, elle est tombée là-bas, elle a pris morte, en une fois, comme ça. Quelqu'un qui arrive bien portant au culte. Donc, moi, je suis parti prier pour sa résurrection. Je dis, qu'elle est quoi? Tu sais, ça fait combien d'années, elle distrait les gens dans l'église. On lui parle, elle ne comprend pas. On lui parle, elle ne comprend pas. Frappé. Il y a des fois, Dieu arrive à cet extrême-là. Dieu te parle, tu ne comprends pas. 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 Maintenant, il passe à la phase 3. Quand vous lisez le psaume 91, le psaume 18,
Le psaume 118, il y a un moment donné, il arrive, il dit, mes ennemis, tu les extermines. Là, il passe à la phase extermination. Donc, il ouvre la mer. Pharaon rentre. Il s'endurcit malgré toutes les menaces. Et puis, Dieu a refermé la mer sur lui. Il a exterminé Pharaon et toute son armée. Parce que même s'il donnait un bateau à Israël, le gars, il allait traverser l'eau. Il allait fabriquer des bateaux lui aussi pour passer. Il dit, bon, ces gars-là, même s'ils arrivent à Canaan, tu vas aller là-bas pour les poursuivre. Tu ne vas plus exister. Je vais t'exterminer. La phase 3, c'est la phase d'extermination du gardien de l'hôtel. C'est-à-dire ceux qui sont là pour alimenter les hôtels et qui persévèrent. C'est un point dont je n'aime pas trop parler parce que j'espère toujours que les gens se répandent. Mais l'Esprit me dit de dire que quelque chose dans ce mois-là va se passer. Vous savez, généralement, la fin du gardien, là, souvent, quand Dieu frappe le gardien, vous-même, ça vous fait mal. Parce que souvent, vous ne savez pas, mais vous aimez le gardien. Mais vous, parce que vous ne savez pas que c'est la personne, en fait. Tu n'as aucune idée. Voilà, tu ne sais pas que c'est la personne qui alimente l'hôtel. Donc, un matin, tu apprends, dis, ton nom préféré, tonton, comme ça. On dit, s'est réveillé comme ça, il a eu arrêt cardiaque. Ah! Le gardien est parti. Allez, quand le gardien est parti là, vous n'allez pas pleurer. Ce mois de mai, il y en a qui s'en vont. Tu pleures, tu es sur les larmes, et puis tu avances. Ce mois-là, il y a des gardiens qui s'en vont. Dans le nom de Jésus. Dans la vie de quelques-uns parmi vous, c'est comme si le ciel est fatigué. Le ciel a vu tes larmes. Le ciel a vu ta douleur. Le ciel a vu ta souffrance. Le ciel t'a protégé, ils ont persisté. Le ciel t'a gardé, ils ont persévéré. Le ciel montre que Dieu montre qu'il est avec toi, mais ils ne comprennent pas. Dieu montre qu'il te garde, ils ne comprennent pas. Il y a longtemps que pour eux, tu étais mort, mais tu es encore en vie. Dieu t'a ressuscité, mais ils persévèrent. Dieu prend, je viens prophétiser par l'Esprit de Dieu que pour ce qui te concerne, toi, la phase numéro 3 vient d'être activée. La phase numéro 3 vient d'être activée. Le fleuve va s'ouvrir en deux. Quelqu'un sera noyé. Son armée sera détruite. Dieu va le dépouiller d'une extermination totale. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Vous êtes beaucoup à venir faire les offrandes. Donc, il y a des gardiens chez toi là-bas. Bon, s'il doit se répandre, qu'il se répande. J'espère. Mais s'il veut persévérer, je suis désolé. La phase numéro 3 est activée. Au nom de Jésus. Dieu dit, ta bénédiction numéro 5 parle. Elle parle en trois phases. Dieu le chasse, Dieu te donne le contrôle. Et s'il persévère, Dieu l'achève. Dieu le chasse, il dit, il faut le laisser. Tu continues? Il dit, je te donne sa clé. Il continue? Il dit, bon, ok. Je t'ai montré que je suis avec lui. Je t'ai montré que je le garde. Je t'ai montré que je le protège. Je t'ai montré que cette femme-là, je l'ai choisie. Que cet homme-là, ma main avec lui. Par quoi je vais te montrer? Et malgré tout, tu t'entêtes à vouloir sa mort. Tu t'entêtes à vouloir le détruire. Tu t'entêtes à ne pas le laisser partir. Pharaon, toi et ton armée, toi et toutes tes armes, vous allez disparaître. Et on n'entendra plus jamais parler de vous. Tu passes à cette phase au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce mois de mai, là, c'est pourquoi la semaine prochaine avec Pasteur Yvan Castanou, à partir du jeudi, amen, du 12, on sera encore dans le renversement des forteresses. Alléluia. Donc soyons connectés pour ce programme. C'est un mois de grande victoire. C'est un mois de terrassement des puissants de l'ennemi. Amen, amen. Alors, quelle que soit la force des hôtels, des gardiens de l'hôtel, quelle que soit leur puissance, elle procède par des flèches, ce que j'appelle les traits. Et les traits, ce sont des envoûtements, mais ce sont aussi des convictions, des messages. Par exemple, malgré que Israël soit parti, Pharaon était mort. Mais Israël arrive devant la terre promise. Et Israël renie la grâce de Dieu et Israël décide de repartir en Égypte. C'est comme si Dieu avait chassé l'Égypte, mais eux-mêmes, quelque chose dans leur vie laissait l'Égypte. C'est comme si c'était
envoûté. C'est ce que j'appelle, c'est pourquoi j'ai parlé de briser les envoûtements. De briser les envoûtements. Comme si, c'est-à-dire, il a peut-être vaincu, mais des flèches qu'il t'avait envoyées continuent de brûler en toi et de créer en toi certaines attitudes. Pourtant, il n'est plus là. Et malgré qu'il soit parti, tu peux ne pas entrer dans ta tête, dans ta promesse. Donc, chasser les démons, ce n'est pas ça seulement. Il faut aussi bâtir les autels de Dieu pour te permettre de posséder. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Mais je veux... Hier, j'ai parlé donc de sortir des envoûtements. Et le message que j'ai donné dimanche dernier, je n'ai pas changé de thème, mais je suis toujours dans marcher selon l'esprit. Mais je vais t'expliquer quelque chose. OK? Comment fonctionne un envoûtement? Comment ça fonctionne? Qui se souvient de ma voiture télécommandée? J'ai enseigné avec ça l'année dernière. Qui se souvient de ma voiture télécommandée? Tous ceux qui ont suivi l'enseignement sur la voiture télécommandée, lèvent les mains. Tous ceux qui ne s'en souviennent pas, bien qu'ils n'ont même pas suivi le message, levez les mains aussi. Je vais voir les proportions. En faisant ça, je saurai si j'en parle ou pas. Ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, levez les mains. Bon, vous êtes nombreux, donc c'est suffisant. OK, gloire à Dieu. Amen. Donc, je tiens une voiture télécommandée. Et voici la télécommande dans ma main. Voiture, bouge, avance, recule, avance, recule. Voiture, tourne à gauche. Voiture, reviens. Je la contrôle. Je contrôle le véhicule. Je contrôle son orientation. Je contrôle sa direction. Je ne suis pas dans la voiture, mais je dis à la voiture ce qu'elle doit faire. Je suis loin de la voiture, mais je peux la bloquer. C'est comme ça fonctionne un envoûtement. La personne ou l'hôtel, peu importe, est à l'extérieur, mais arrive à avoir une incidence sur ton corps pour te dire sois malade demain. Après, tu as mal à la tête. Il faut parler au travail. Je t'envoie à cancer, je t'envoie à palure, je t'envoie à ceci. Il contrôle. Tu trouves un travail, je mets du palabre avec toi. C'est comme si cet esprit-là arrivait à savoir qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu avais, et à prendre le contrôle. Alors, tout envoûtement respecte ce même principe-là des voitures télécommandées, des télécommandes. C'est le même principe. Sauf que vous voyez, la science n'est pas arrivée au niveau de comprendre les ondes par lesquels les sorciers arrivent à communiquer avec le corps des autres personnes et puis à ordonner au corps d'autrui d'avoir une telle attitude. Mais c'est le même principe. OK? Donc, il y a une information qui est envoyée d'un émetteur que je tiens dans ma main. Donc, la télécommande, c'est l'émetteur. Il y a une information qui est envoyée de là et qui est transmise par des ondes. Il y a plusieurs types d'ondes. Il y a des télécommandes radio. On peut faire des télécommandes par Bluetooth. On peut faire des télécommandes de plusieurs manières. Il y a plusieurs types d'ondes par lesquelles on peut contrôler le véhicule. On peut contrôler quelqu'un. Dans le monde invisible des sorciers, il y a d'autres fréquences qui sont ni Wi-Fi, ni Bluetooth, voilà, qui sont invisibles, qui ne sont pas radio aussi, ni télé, par lesquelles on peut prendre la commande. Mais quelle que soit la forme, pour qu'il y ait commande, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un émetteur et il faut qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire, dans la voiture qui est là que je commande, il y a un récepteur. Quelque chose qui peut comprendre l'information que j'envoie. Et cette chose-là se trouve dans la voiture. Alors, si le diable arrive à te bloquer, te rendre malade, à décider pour ta santé, ta vie, tes affaires, c'est que l'information qu'il envoie trouve dans ton corps une réception. Et si je veux faire arrêter la commande, j'ai deux manières de faire. Soit je frappe celui qui a la télécommande. Ça, c'est chasser le diable. Noyer le gardien de l'hôtel. Si c'est ça qui est l'hôtel, celui qui manipule, on peut l'enlever. On peut le noyer.
mais la télécommande peut être récupérée. Et vous allez voir dans les trucs où il y a des gardiens d'hôtel, il y a toujours un héritier de l'hôtel. Donc même quand tu as fini d'éliminer le précédent, Pharaon est mort, non? Mais il y a un autre Pharaon qui est revenu en Égypte. Parce que plus tard, retour des Pharaons. Donc il y a toujours, un hôtel se passe par héritage. Donc même si ce n'est pas la même personne, quelqu'un d'autre peut arriver à retomber sur la télécommande, retrouver le même principe et puis encore essayer de commander. Donc la vraie délivrance d'une personne, ce n'est pas de... C'est pas quand tu as forcément terminé avec celui qui contrôle ou le gardien ou tu as cassé peut-être l'autel. La véritable délivrance, la finale, c'est quand tu tues ou tu arrêtes le récepteur qui se trouve à ton niveau. Alors, ce que je fais, je prends la voiture et ici j'ai un interrupteur qui éteint le récepteur. Donc, je coupe le récepteur. J'ai toujours l'émetteur. Mon émetteur est bien allumé. Et je lui envoie les sortilèges. Reviens en arrière. Tourne à gauche. Tourne à droite. Vois-tu? Je te parle. Je ne peux rien faire. Quelle que soit la manipulation, ça n'a aucun effet parce que j'ai éteint ce qui en moi faisait que je recevais le message. Amen. Mon message que j'ai commencé dimanche dernier, ou bien deux dimanches, est celui-là qui justement vous fait éteindre la réception du message. Vous devez l'éteindre. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, il y a une dimension dans laquelle tu rentres où les sorciers, quels qu'ils soient, quels que soient les hôtels, ils peuvent te faire. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, dans ma vie, il n'y a rien qui lui permette d'agir sur moi. Rien, il n'a rien. Que Satan n'ait rien qui soit en toi. Alléluia. Donc désactive à ton niveau. Là, c'est un travail personnel. Israël a quitté, Dieu a renversé Pharaon, Dieu l'a noyé, Dieu a cassé les autels. Mais il y avait quelque chose en eux qu'ils n'ont pas désactivé. Parce qu'ils ont refusé quand Dieu était en train de les faire passer par les épreuves pour les bâtir. Ils ont refusé cela. Je vous en supplie, frère. Ne croyez pas que votre victoire s'arrête quand les autels, votre victoire est manifestée quand tous les autels sont tombés. La véritable victoire, c'est d'être invulnérable. La véritable victoire. Parce que les sorciers, il y en aura toujours jusqu'à la fin du monde, ils vont exister. Ne pense pas qu'à un moment donné où il n'y aura plus de sorciers. Il faut que tu rentres dans la dimension où tu es inenvoûtable. C'est-à-dire, les gens lancent des sortilèges. Comment il s'appelle ce... Balaam pouvait dire. Il dit, le sortilège, l'enchantement ne peut rien. En Nombres chapitre 23. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Les sortilèges ne peuvent rien contre Israël. Il dit, parce que il n'y a pas d'iniquité en eux. Il n'y a pas d'iniquité en eux. Le sortilège ne peut rien contre Israël. Les enchantements ne peuvent rien. Amen. L'enchantement ne peut rien. Nombres 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Rien. Ça ne peut pas marcher. Alors, Balaam, ce sorcier, pour qu'il les atteigne, il a fait faire quelque chose. Et après, il a pu les atteindre. Et c'est ça que je te parlais, que tu dois désactiver. Quelle est cette chose à désactiver? C'est ta chair. La chair. Ou non, pas la chair exactement, mais les désirs de la chair. La chair n'est pas en elle-même mauvaise. C'est notre enveloppe, c'est notre corps. Mais les sensations qu'elle exprime, les désirs de la chair, sont justement le point de connexion avec lequel l'ennemi arrive. Pourquoi le diable a accès
au désir de notre chair. Pour comprendre cela et comment cet émetteur-là, ce récepteur, est placé en toi ou en nous, il faut remonter à la création lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils ont chuté. Genèse chapitre 3, verset 14 nous donne une information majeure. Genèse 3, 14 nous dit: l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Et on lit ensemble la dernière partie. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, le serpent, et nous savons ici que ce n'est pas un serpent naturel, c'est le diable. Le serpent a reçu comme aliment la poussière. Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors frère, en lisant même ce verset, vous devez déduire que Dieu est en train de parler d'une chose hautement spirituelle. Parce que les serpents que nous connaissons n'ont pas pour aliment la poussière. Les serpents ne mangent pas la poussière. Ceux qui font un élevage de serpents, ils ne leur donnent pas à manger la poussière. Les serpents, selon leur taille, ils mangent des rats, des margouillas, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas pour nourriture la poussière. Dieu est en train de parler d'une chose hautement spirituelle. Et pour comprendre la poussière dont il est question, il faut continuer le texte de Genèse 3 et arriver jusqu'au verset 19. Au verset 19, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant à l'homme, Adam, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es quoi? Et tu retourneras dans la... Verset 14, le serpent mange là. Adam, tu es... Tu retourneras dans là. Le serpent mange là. Et Adam est... On mange qui? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La poussière. Et qu'est-ce que c'est que la poussière? Quand il dit Adam, tu es poussière, ça veut dire que la constitution de l'être humain a commencé par la poussière. Dieu a pris la boue, il a fabriqué le corps humain et il a soufflé. L'homme est devenu une âme vivante. Donc la poussière, c'est notre enveloppe corporelle, c'est la chair en tant que telle. Il est en train de dire à Adam, tu as marché de manière charnelle. Quand on dit poussière, c'est la chair, les désirs de la chair. Quand il dit tu retournes dans la poussière, ça veut dire tu es lié à ta chair. Au lieu de marcher, parce que tu es aussi un être spirituel, au lieu de marcher par l'esprit, tu marches par la chair. Il dit, bon, dorénavant, si tu marches par ton côté poussière, tu seras mangeable. Mais si tu marches dans ton côté divin, Satan, tu vas écraser le diable. Vous savez ça, non? Parce qu'il dit, un peu plus haut, il dit, serpent, tu seras maudit. On peut revenir au verset 14. Verset 14. Donnez-moi, il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset d'après, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, en ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera et tu lui blesseras le... Donc, la postérité de la femme écrase la tête du serpent. Et la postérité de la femme, ce n'est pas tous les humains. Non. La postérité de la femme, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de descendance ou de postérité, généralement on ne parle pas de la femme, on parle de l'homme. Toutes les généalogies que vous allez lire, on parle du chef de famille, on cite l'homme a enfanté, l'homme, un tel est descendu, mais on ne cite pas le nom de la maman, on cite le nom du père, parce que l'homme étant le chef de la famille. Mais cette fois, Adam est présent, Ève est présente, et puis on ne dit pas la postérité de Adam va écraser la tête du serpent. Mais on s'adresse, on dit la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. En fait, parce que ce n'est pas la descendance humaine normale. C'est une descendance qui est unique. C'est une descendance... Pourquoi on donne la postérité à l'homme? Parce que c'est l'homme qui a fécondé. C'est lui qui a envoyé la semence. Et la femme est tombée enceinte. Et donc l'enfant qui est là est le produit de papa et de maman. Voilà. Mais Jésus n'est pas descendu d'un homme. Jésus... Il est né d'une femme sans l'intervention d'un homme. Alors, lorsqu'on est en train de dire, femme, ta postérité, Satan est en, Dieu est en train d'informer le diable. Il dit, diable. Si Satan comprenait le français de Dieu, il allait dire, Satan le dit, mais attends, il dit, mais pourquoi tu ne dis pas que
Adam, sa postérité va me tuer. Et non, parce que celui qui va t'écraser, il va descendre d'une femme sans un homme. Donc, et cette descendance-là, c'est Jésus. Et ce n'est pas Jésus, on n'a pas dit la postérité l'unique, mais tous ses descendants. Qui est descendant de Christ? C'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Nous appartenons à Christ. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes de cette lignée. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es de la lignée adamique. Quand tu es né de nouveau, tu es de la lignée du Christ. C'est pourquoi tu dois te convertir. Et c'est pourquoi Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En fait, si je dois même aller en profondeur, mais je n'ai pas touché. C'est pour ça que vous comprenez que la première attaque que Moïse a faite, c'était de faire avaler les serpents des Égyptiens. Le premier signe. Le serpent, c'est toute une symbolique qui veut dire toute la séduction qui a pris l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, pour sortir de la descendance et pour ne plus être envoûtable, mangeable par le diable, par les sorciers, par les démons, il faut que tu désactives ton côté poussière, ton côté charnel. Tant que tu marcheras dans la chair, c'est-à-dire selon ton côté poussière, tu es vulnérable. C'est quoi les désirs de la chair? Je n'ai pas dit tant que tu marcheras dans ton corps physique, tu es vulnérable. Non, mais tant que tu vas suivre ce que ta chair te demande de faire. Et la Bible dans le livre d'Apocalypse nous dit ceci, que les désirs de la chair ou les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, l'adultère. Là, comme donnez-moi le texte, s'il vous plaît. Amen. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Ce sont l'impudicité. Donc, quelqu'un, une fille qui n'est pas mariée, un homme qui n'est pas marié, qui ont des rapports, agissent, c'est-à-dire que c'est leur chair qui dit couchez ensemble, n'attendez pas le mariage, ayez des rapports. Quand tu te comportes comme ça, tu te comportes en mode poussière. Satan te mange quand il veut. Les œuvres de la chair, ce sont l'impureté, la dissolution. Le mot dissolution dans d'autres versions, c'est écrit les querelles. Quelqu'un qui est irritable, qui est coléreux, quand tu... ce sont les désirs de la chair, c'est-à-dire que la colère te remplit et puis tu dis des choses par la colère. Tu es contrôlé par Satan, il peut te bouffer. Parce que tu n'es plus en train de marcher selon ta nature spirituelle, mais tu es en train de marcher selon les désirs de ta chair. Tu deviens vulnérable. Les envoûtements trouvent leur point d'accroche, leur réception dans notre côté charnel. La Bible dit les œuvres de la chair, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les palabres, là, les inimitiés. J'ai des ennemis, tu détestes ton voisin, ta voisine, des personnes. C'est dans la haine, l'amertume. C'est là que Satan trouve. Quand tu commences à haïr, il dit, tu es mangeable. Il y a une de mes filles qui est venue me voir hier, m'a expliqué un témoignage. Elle me demandait, elle dit, mais papa, qu'est-ce que je dois faire? Alors, elle travaille dans une entreprise et elle avait des promotions, Dieu a commencé à la bénir. Et puis, une de ses collègues lui a dit, récemment, elle venait lui dire récemment, que, ah, ma soeur, je vais te demander pardon. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, bon, moi et puis une autre, de la même boîte, moi et puis l'autre là, nous sommes partis consulter un féticheur, un marabout, mais c'est pas moi, la dame dit c'est pas moi même là, chef quoi, c'est mon ami là. On est parti la consulter pour que il fasse des incantations pour bloquer ton avancée. On a qu'à enlever ton étoile. Si on peut te renvoyer même, tout ça. Donc, les deux sont partis voir le féticheur ou la féticheuse, on leur a donné des œufs à casser sur le carrefour, tout ça. Et les deux sont partis faire ça. Mais celle qui est venue lui parler dit elle n'était pas trop active. Elle, sa camarade l'a entraînée. Mais qu'elle regrette et qu'elle est venue dire à sa soeur, vraiment, j'ai fait des choses contre toi avec une telle. Ce que je ne voulais pas faire ça. Vraiment, je viens te demander pardon. Mais on est parti voir un féticheur, une féticheuse là, contre toi. Donc ma fille a dit, ah bon? Et elle ne sait pas, elle sait plus comment prier. Si elle doit lire, en tout cas, elle s'est embrouillée. Et puis donc, heureusement qu'elle a eu la sagesse de me poser la question. Je dis, ah, tu veux savoir, même celle qui est venue te parler n'est pas ton amie. C'est ton ennemi même. La plus dangereuse même, c'est elle. Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Il y a longtemps, ils ont fait leur incantation. Mais ça n'a pas eu d'effet sur toi. Ça n'a pas eu d'effet.
Parce que ma fille, elle me dit, mais effectivement, quand elle décrit la période des enfants, je me sentis bizarre, je me levais, je sentais des trucs. Donc, je priais. Elle dit, tu vois, mais ils n'ont rien pu faire. Tu n'as pas perdu ton travail. Tout va bien. Bien au contraire, même, tu as eu de la promotion. Elle dit, oui. Elle dit, tu vois ce qu'elle est en train de faire? C'est parce que tu as marché par l'esprit. Comme elles voient que tout leur sortilège ne t'atteigne pas, elles ont dû essayer maintenant de venir activer ta chair. Donc, en venant te dire que telle copine est contre toi, le but, c'est de créer dans ton cœur de l'amertume, de la haine, de la colère contre la dernière. Et si elle déclenche la colère, là, tu es charnel. Là, tu rentres dans leur possibilité d'envoûtement. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand il n'y a pas de haine en toi. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu n'es pas amer. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu te confies à Dieu. La colère, ce sont les œuvres de la chair. La haine, ce sont les œuvres de la chair. Mentir, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des choses comme ça qui vous rendent vulnérables. Et l'ennemi va tout faire pour vous envoyer dans un secteur où il peut vous atteindre. Il va te faire haïr. Il va t'envoyer pour te dire, voilà ce que les gens disent de toi. Mais s'ils étaient forts, ils t'auraient tué. Mais ils n'ont pas pu. Ne tombe pas dans leur piège. Tu es quelqu'un de l'esprit. Tu n'es pas un charnel. Tu es un spirituel. Tu fais partie de la descendance de la femme. Les gens commencent à t'atteindre quand toi aussi tu rentres dans la haine. C'est pourquoi faites attention. Tous ceux qui viennent t'informer qu'un parent est un sorcier ne sont pas tes amis. Souvent, je fais des prières, les gens sont dit, parce que tu as vu qu'ils m'attaquent. Je dis, je vois, mais je ne te dis pas. Je dis, mais pourquoi? Dis-moi. Je dis, mais tu as fait quoi avec l'information? Tout ce que ça va faire, ça va créer dans ton cœur l'amertume. Tu n'as pas suffisamment de maturité pour pardonner. Ce n'est pas utile. Parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Tu dis, non, mais je sens, ils font des cauchemars. Je dis, c'est juste des rêves. Mais si tu rentres dans la haine, ce n'est pas les rêves. Ils vont passer à l'acte, ils vont t'attaquer sérieusement. Marc, ne vivez pas sur les résidus de la chair, ça vous fragilise. Satan mange la poussière pour désactiver le récepteur. Il faut couper la chair. C'est-à-dire que les sentiments de la chair, l'envie, l'ivrognerie, les choses-là ne te conduisent pas. Quand Satan t'attire, tes camarades viennent, oh viens, tu vas boire un peu, rappelle-toi le passé. Quand tu es ivre là, tu es charnel. Tu es mangeable par le serpent. On peut t'envoûter. On prend des gens, on les envoûte par la boisson, par l'alcool, par le sexe, par la haine. Jésus dit, ne dormez pas avec la colère. Vous donnerez un accès au diable. Quand tu réussis dans ta vie, Satan va tout faire, va envoyer des gens pour te provoquer, pour que tu rentres dans le secteur et pourront te toucher. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas atteint. Tu es protégé par le sang de Christ. C'est pourquoi quand tu te rends compte d'une erreur, demande à Dieu pardon. Parce que tu as combien de délais, tu as combien de temps. Te réponds-toi rapidement. Et puis, quand la colère veut venir, tu dis, Seigneur, donne-moi le calme. Quand la haine veut rentrer, tu dis, Seigneur, apprends-moi à aimer. Je veux être comme toi. Ne leur donne aucun accès, que Satan n'ait rien en toi. La colère n'est pas chez ton Dieu. Dieu. Chez Dieu, ton papa, il n'y a pas la haine. Chez nous, il n'y a pas l'amertume. Donc, ne prends rien du diable. Ton cœur est trop bon pour laisser la haine t'habiter contre quelqu'un. Tu as un bon cœur. Garde ce cœur-là. C'est pour ça qu'on n'a pas pu te tuer jusqu'à présent, à cause de l'état de ton cœur. Ne leur donne pas ces privilèges de laisser une place au diable dans ton cœur. Un bon cœur. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la haine en toi. Il n'y a pas de place pour l'amertume. Si c'est arrivé, chasse ça rapidement pour dire, je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire ça. Pourquoi vous voulez m'amener là où je ne suis pas? Sois comme Dieu t'a fait et ne deviens pas ce que les gens veulent que tu deviennes. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors la manière, et c'était ça le but du message. Et mon temps est fini, je n'ai même pas encore. Comment j'ai géré ça? Alléluia. Bon, vraiment, vous n'aurez pas tout le message. Hein, ça. Bon, on va se débrouiller. Amen, amen, amen. Alors, comment on le fait en règle générale? Comment on désactive? C'est très simple. C'est ce que Jésus dit. Galates chapitre 5, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Marchez, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment est-ce qu'on désactive et qu'on sort? Il faut marcher selon l'esprit. Parce que si les désirs de la chair s'expriment, je serai vulnérable. Mais pour ne pas être vulnérable, je dois faire quoi? Marcher selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Qu'est-ce que je dois faire pour marcher selon l'esprit? Un, je dois me convertir réellement à Christ. Je dois réellement donner ma vie. Je ne dois pas être simplement un religieux qui fréquente l'église. Je dois naître de nouveau par la conversion. Je donne ma vie à Jésus. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient en toi. Il vient en toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus n'a pas dit, recevez le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit, marchez.
Ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a une progression. Je quitte un point A, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'avancer dans la vie. Donc je ne dois pas simplement avoir l'esprit, je dois marcher selon l'esprit. Il y a des chrétiens qui ont reçu l'esprit, mais qui ne marchent pas selon l'esprit. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne marchent pas selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, qui est notre thème, c'est primordial pour vous donner la victoire sur la chair et ainsi empêcher le dragon, le serpent, les sorciers de vous toucher et de vous atteindre. Donc ne cherche pas à dire comment je vais lutter contre la haine. C'est trop difficile. Quand on t'a fait du mal, c'est trop difficile d'enlever la colère. Ne cherche pas. La Bible n'a pas dit battez-vous simplement contre la colère. Frère, quand on est vraiment provoqué, c'est pas facile. Mais il y a une manière de faire. Si tu marches selon l'esprit, tu vas découvrir qu'il n'y a plus de haine en toi. Tu vas constater qu'il n'y a plus de colère en toi. Tu vas être là, tu dis, parce que je ne sais pas, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, ça me fait pas mal. On dit, comment tu fais ça? Tu dis, je ne sais pas. Ça me fait pas mal. Quelqu'un qui marche selon l'esprit, c'est difficile de l'atteindre. Mais quelqu'un qui veut résister à la chair, c'est pas facile. Le gars te provoque. Si tu veux résister, tu dis, je ne dois pas me mettre en colère. Tu vas te concentrer. Te concentrer. Premier coup, deuxième coup, troisième coup, la frère, la gifle va partir. Tu dis, il m'a amené dans la chair. En fait, toi, tu es resté pour te battre. Il ne faut pas rester. On te dit, marche selon l'esprit et cette colère-là va disparaître. C'est une avancée. C'est une avancée. C'est une progression. Amen. Et depuis deux dimanches, je t'explique qu'est-ce que c'est que marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est trois vérités spirituelles à la fois. Première vérité, c'est quoi? Marcher. Marcher comment? Marcher avec Dieu. Amen. Deuxième chose, c'est quoi? Marcher devant sa face. Et troisième chose, marcher par l'esprit. Ce sont des expressions qui se ressemblent, mais qui traduisent trois vérités spirituelles importantes. Amen. Marcher avec Dieu, marcher devant la face de Dieu et marcher par l'esprit. Alléluia. Ce sont ces trois choses-là réunies qu'on va dire, on dira à celui qui fait ces trois choses qu'il marche selon le Saint-Esprit. Ok? Dimanche dernier, je t'ai expliqué qu'est-ce que c'est que marcher avec Dieu. Amen. Roland revient. Ok? C'est simple. Je lui demande, marche avec moi. Marche avec moi. Marcher avec quelqu'un, c'est suivre la personne. C'est ça, marcher avec. Amen. Et dimanche dernier, je t'ai dit que Jésus dit, Matthieu chapitre 16, verset 20, si quelqu'un veut me suivre, ou bien si quelqu'un veut marcher à ma suite, Jésus dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que je t'ai expliqué dimanche dernier. Renoncer à soi, parce que pour me suivre, il faut que lui-même, il n'aille nulle part, il abandonne ce qu'il voulait. Parce que tu ne peux pas suivre une personne si toi-même tu as ta propre direction. C'est ce que j'ai expliqué. Il faut renoncer, il faut se charger de sa croix. Et puis, il faut le suivre. Amen. Alors, de manière pratique, c'est que ne cherchez pas d'abord à entendre la voix du Saint-Esprit. Elle va venir seule. Mais faites ce que Jésus a dit, marchez avec lui. Je souhaite, par exemple, moi j'ai un projet, toi tu as un projet, je veux me marier, ou bien je veux la santé, ou je veux de l'argent. C'est son projet. Renoncer à soi, c'est faut sursoir à ça là pour le moment. Tes rêves sont fortement attachés, souvent aussi à ta volonté, à tes émotions. Donc, il y a un moment donné, tu dois renoncer. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste pour que Dieu te ramène ça de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Donc, je renonce. Ça fait mal d'y renoncer. Et je me charge de ma croix et je vais suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aller là où il va. Alors, si je suis quelqu'un qui... Avant, je travaillais, par exemple, au trésor. Mais je travaillais pourquoi? Je travaillais au trésor pour avoir de l'argent, pour construire ma maison. C'était ça. Et je viens, je rencontre le Christ. Je lui donne ma vie, mes péchés sont pardonnés. J'arrête avec les péchés, impudicité, tout ça, j'arrête ça. Ok? Mais, je travaille au trésor pour avoir de l'argent. Il faut y renoncer. Pas renoncer au trésor, pas renoncer au travail. Mais le moi, tu travailles pour quoi? Je travaille pour m'enrichir, pour être bien. Il faut renoncer à ça. Il ne faut plus travailler pour l'argent du trésor. Il faut,
faut te considérer que tu travailles au trésor pour Dieu. Suive Jésus, c'est aller là où va Jésus. Jésus passait son temps, le métier de Jésus, c'était parler de l'amour de Dieu aux hommes. Fais comme ça, c'est simple. Au lieu d'aller au trésor pour chercher ton argent, je n'ai pas dit on ne va pas te payer, hein, mais considère que Dieu te met en contact avec ses hommes, ses collègues, pour leur dire que Dieu les aime. Donc va au travail, pas pour ton salaire, mais va au travail pour être une opportunité de parler de Christ aux gens. Bien sûr, tu ne vas pas te mettre à faire une croisade au bureau. Tu crois, tu montes sur ta tête et puis tu prêches. Voilà, non. Tu attends, tu leur donnes une brochure. Mais ton esprit même est que je vais travailler pour Dieu. Et je vais dire, mes ressources, mon argent et tout ce que ça doit être pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, tu renonces à tes plans. Et je t'ai expliqué dimanche dernier que quand tu fais ça, il y a un détachement. Parce que la souffrance vient de tout ce à quoi vous êtes attaché. On pleure parce qu'il y a des rêves qu'on n'est pas en train d'atteindre. Donc Dieu dit, laisse ça. Tu abandonnes ça un moment et je vais te redonner ça 100 fois. C'est ce qu'il a dit. Donc, Dieu va te donner ce que tu demandes. Alléluia. Dieu va te donner ce que tu demandes. Mais il ne va pas te donner ça en une fois, il va te donner multiplié par 100. Mais il dit, celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui est prêt à la perdre, il faut perdre pour gagner. Et le moment où tu perds, c'est le moment où toute ta vie n'est plus pour toi. Tu ne te maries plus pour toi. Tu te maries pour Dieu. C'est-à-dire, quand tu vois ton homme, tu te dis, je suis en mission pour Dieu auprès de lui. Je veux qu'il soit bien, qu'il soit heureux pour que lui-même il connaisse Dieu. Le mari qui marie sa femme, vous savez, dans le monde là, on se marie pour être heureux, on se marie pour qu'on prenne soin de nous, on se marie pour être tout ça. Dieu dit, renonce à toi-même. Est-ce que c'est pour toi? Il faut y renoncer. Tu mets ça de côté. Tu dis, Dieu, je me marie pour quoi maintenant? Il dit, tu te maries pour ma gloire. Ah bon? C'est pas pour être heureuse. Non. C'est pourquoi? Pour que ton mari soit heureux. Hein? Parce que quand il est heureux, pour qu'il me glorifie. Ah bon? Le mari, toi aussi. Je me marie, c'est pas pour que la femme là me fasse des enfants, qu'elle soit bien. On lui dit non. C'est pourquoi? C'est pour qu'elle plaise à Dieu. Tu renonces à tes projets pour la gloire de Dieu dans sa vie. Tu renonces à tes plans pour la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu renonces à tes projets pour la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Transformez votre vie en un suivi de Jésus. Renoncez à vos plans pour Christ. Jésus dit, il n'y a personne qui ayant quitté toutes ces choses-là pour moi ne les obtienne multipliées par 100. Et tu vas voir le bonheur, le vrai bonheur, la paix. Parce que Dieu va détacher ta chair de toutes les choses qui te tenaient. La souffrance vient de l'attachement. La souffrance vient de l'attachement. On souffre parce qu'on est attaché. Donc Dieu te détache pour mieux t'attacher. C'est-à-dire pour que, en fait, le lien que tu as ne soit plus vous savez, si quelqu'un que tu ne connais pas vient t'insulter, tu sais que ça ne va pas te faire mal. Là, tu ne le connais pas, vous marchez dans la rue, puis il vient comme ça. Toi là, va là-bas, ta vilaine tête. Tu dis, qui c'est? Tu as dit, on dit, je ne le connais même pas. Tu as dit, le gars, il est fou. Est-ce que tu peux garder une rancune pendant 10 ans? Un inconnu qui t'a insulté au carrefour à la rivière 2. Est-ce que tu peux l'envoyer pendant 10 ans? 10 ans plus tard, un jour, je marchais vers la rivière 2, un gars m'a insulté. Ça ne fait pas mal, parce que tu n'as aucun attachement. Mais pour qu'une injure te fasse mal, il faut qu'il y ait un lien entre toi et puis la personne. C'est parce que tu l'aimais et puis il t'a dit ça. Ça te fait mal. Donc, c'est l'attachement là qui crée la souffrance. C'est la connexion parce qu'on se sent proche de quelqu'un. C'est ce qu'il faut revaloriser en fait. Tu dois renoncer à ça pour que Dieu rétablisse le bon système de révélation. Tu seras libre. Tu seras quelqu'un d'heureux. Tu seras épanoui. Les gens ne seront plus capables de t'affecter. La méchanceté des hommes ne t'atteindra plus. Dieu fait ça pour te rendre libre. Pour que tu sois en paix. Ta paix ne doit pas dépendre du comportement des gens. Si ta joie et ton bonheur dépendent du comportement d'autrui, tu vas souffrir. Ce n'est pas possible. Parce que les gens sont ce qu'ils sont. Tu ne peux pas les changer. Mais tu peux faire en sorte qu'ils ne soient plus capables de t'atteindre. Qu'ils soient bons, gloire à Dieu. S'ils sont méchants, ça ne joue pas sur ta joie. Tu te réveilles le matin, tu es en paix. Tu dors le soir, tu es en paix. Donc Dieu coupe, c'est ce qu'on appelle le renoncement, pour pouvoir faire le bon attachement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oh, merci. Toi aussi, tu as trop marché avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est marcher avec Jésus. Marcher avec.
et la croix, tout ce qu'on a expliqué. Et puis, marcher selon le Saint-Esprit, la deuxième chose, c'est marcher devant la face. Ah, j'ai oublié devant la face. Viens devant la face. OK? Dans l'histoire, toi, tu es quoi? Tu es Jésus ou bien tu es moi? C'est moi, Jésus. OK, toi, tu... voilà, marche devant ma face. La Bible dit que c'est comme ça Abraham marchait. Et le texte dit dans Genèse 17, Abraham marchait devant la face de Dieu. Enoch, il marchait avec Dieu. Mais Abraham, c'était devant la face de Dieu. C'est quoi cette expression-là? C'est aller là où va le regard. C'est consulter le regard de Dieu avant de faire ce que tu dois faire, c'est tout. Voilà. Donc, marche devant ma face. Si je regarde là, vas-y. Ça, marche devant la face. Donc, c'est comme si tu vas... Dieu ne se déplace pas lui-même, mais tu suis son regard. Alléluia. Marche devant la face de Dieu. Merci. Marche devant la face de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Si tu veux marcher par l'esprit, marche avec, marche devant sa face, comme Abraham le faisait. Amen. Alors, comment est-ce qu'on marche devant la face? C'est aussi simple. Amen, amen. Certaines expressions disent encore, marcher sous le regard de Dieu. Marcher sous le regard de Dieu. Quand tu réussis à marcher devant la face de Dieu, c'est extraordinaire ce qui se passe. Dans le premier cas, j'ai dit que c'est toi qui accompagnes Jésus. Mais quelqu'un qui marche devant la face de Dieu, Dieu vient marcher avec lui. Hein? Il y a, toi, tu marches avec Jésus, et puis il y a un moment donné, après la phase 2, là, Dieu même vient marcher avec toi. Quand tu t'en vas dans quelque chose, Dieu s'en va aussi avec toi pour dire, tu veux faire quoi? Quand Dieu dit, je bénirai tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu entreprendras, je vais le bénir. Ça veut dire que Dieu, tu es avec toi. Tu es dans une dimension où il suffit, il y a des choses que tu ne demandes même pas à Dieu. Dieu sent même que tu aimes ça et puis il t'offre ça en cadeau. Tu lui dis même pas, je veux. Un jour, tu regardes, tu vois une voiture qui passe. Tu dis, ah, la voiture est belle. Hein. Le ciel est présent. Tu dis, ah bon, tu te la trouves belle. Ok, on te l'offre. Les anges vont, ils disent, puis tu offres. Quand tu marches devant la face de Dieu, tu lui es agréable. Tu lui es agréable. C'est ce dont il est question en disant, fais de l'Éternel tes délices. Tu vois, il n'a pas dit, fais de l'Éternel un de tes délices. Ça veut dire que tout ce qui est délicieux pour toi, que ce soit Dieu. Amen. Et puis, dis quoi? Il te donnera ce que ton cœur... Mais ton cœur désire quoi? Si c'est lui qui est devenu tes délices, ton cœur le désire. C'est un passage à... Les gens ne comprennent pas. Hein? Dieu a piégé tout le monde ici. Il dit, fais de l'Éternel pas un de tes délices. Tous tes délices, c'est en cœur Dieu. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, ton cœur désire quoi? C'est Dieu. Ça veut dire que quand tu arrives dans cette dimension, c'est comme si Dieu et puis toi, vos désirs sont en phase. Donc ce que tu vois et puis tu aimes là, Dieu même avait prévu ça pour toi aussi. Le voyage même que tu vois là, Dieu trouve que c'est bien avec toi. C'est-à-dire la volonté de Dieu et ta volonté s'alignent en même temps. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Alors comment on la développe? C'est très simple. Premièrement, il faut chercher la face de Dieu. C'est ce dont souvent David parle en disant, je cherche la face de Dieu. Ou Dieu recommande en disant, chercher la face de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, vous avez ça par exemple. Le psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de la part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. De Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si détenu de mauvaise voie, je l'exaucerai du haut des cieux. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc pour marcher devant la face de Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Alléluia. Alors, comment on cherche la face de Dieu? Pour pouvoir marcher devant cette face-là. Comment on la cherche? C'est pas compliqué. C'est ce que vous faites dans la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quelqu'un qui cherche la face de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche ce que Dieu veut, en fait. Que ta volonté soit faite. Donc, quand vous priez, pour trouver la face de Dieu, ne présentez pas trop vite vos besoins. Commencez par dire, oh Dieu, montre-moi ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle, tu cherches sa face. Montre-moi ce que tes regards aiment. C'est comme ça que Jésus nous a appris à prier. Il dit, quand vous priez, avant de dire, donne-moi mon pain quotidien, qui est mon besoin, que ta volonté soit faite. Celui qui prie en disant, oh Dieu, que ta volonté soit faite, est en train de chercher la face de Dieu. Il est en train de chercher la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu.
Alors, de manière pratique, c'est quoi? Cherche la face de Dieu pour ta vie. Demande à Dieu, papa, comment tu me vois dans 20 ans? Comment tu me rêves? Quand tu penses à moi, tu vois quoi? Tu me vois comment? Priez comme ça. Quand tu veux te marier, demande à Dieu, mais comment tu vois mon couple? Comment tu vois mon foyer? Cherche sa face. Comment tu vois mes affaires? Comment tu les vois? Comment tu me vois dans la vie? Quand j'ai fait cette prière-là avant, je me voyais devant des foules en train de prêcher. J'ai vu comment ils me voyaient et puis j'ai aimé ça. Et me voilà en train de réaliser cela. Amen. Donc avant de dire à Dieu, donne-moi la voiture que j'aime. Demande-moi, comment tu, demande-lui. Tu sais, les projets que Dieu a pour toi, ils sont de super projets. Demande-lui comment il te voit. Demande-lui comment il voit ton foyer. Demande-lui comment il voit tes enfants. Avant de mettre ton enfant à l'école, dis Seigneur, mon fils là-même, tu le vois comment? Et puis tu vas faire des rêves. Dieu va te le montrer dans 10 ans. Tous les malheurs que tu vis, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Demande à Dieu, comment est-ce qu'il te voit? Dieu ne va jamais te voir au rabais. Dieu ne va jamais te voir dans la misère. Tu es sa fille. Donc avant de précipiter pour dire, donne-moi. Demande à Dieu, comment tu me vois? Et tu vas voir qu'il ne te voit pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu vas voir qu'il te voit. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et pas de malheur. Osez demander à Dieu, comment est-ce que tu me vois? Cherche sa face. Comment est-ce que tu vois mon travail? Comment est-ce que tu vois mon foyer? Tu vas avoir une vision de ton foyer. Tu vas te voir avec ton mari demain. Et tu vas voir comment vous serez. Au moins, tu as ça en face. Vois la face de Dieu au nom de Jésus. Cherche sa face. Amen. Amen. Dis, Seigneur, je cherche ta face. Et la Bible dit, cherchez continuellement la face de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est chercher aussi ce qui lui est agréable. Cherche à faire plaisir à Dieu. Cherche à faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Tu cherches la face de Dieu et tu lui fais plaisir. Marcher devant sa face, c'est aller de l'avant. Marcher, c'est toujours avancer. Donc, quel que soit ce que tu as vécu, il faut avancer. Il ne faut pas rester dans ton histoire. Il ne faut pas rester dans ton passé. Ton bonheur se trouve toujours devant. Marcher, on n'a pas dit de marcher, on n'a pas dit de s'arrêter devant la face. On dit de marcher devant la face. C'est-à-dire, il y a un mouvement sous son regard. Avance dans la vie. Ne reste pas à la même place. Fais des mouvements de l'avant en cherchant sa face. Sois béni par Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bon, et vraiment pour terminer, pour ne pas avoir à remettre ça le dimanche d'après. Et le dernier truc, c'est marcher par l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, par l'Esprit. Donc, on a marché avec Dieu, devant sa face, et puis après quoi marcher? Voilà, marcher par l'Esprit, ça veut dire marcher par la force de Dieu. C'est tout. C'est par. Ça veut dire ce n'est pas par tes propres forces. Mais c'est par ses capacités, c'est par sa force que cela soit ton partage au nom de Jésus. Marche par l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Autrement dit, si Dieu me demande de faire quelque chose, je regarde la face de Dieu, Dieu dit va évangéliser. Ça lui fait plaisir. Ok? Il y a ceux qui veulent évangéliser en comptant sur d'autres personnes. Dieu dit par exemple, je veux que tu pardonnes. Et il y en a qui cherchent dans leur cœur la force de pardonner. Ça ne peut pas marcher. Ça va t'épuiser. Quand on a beaucoup souffert, on ne trouve pas la force. Marcher par l'Esprit, c'est trouver dans l'Esprit la force de faire la volonté de Dieu. C'est trouver dans l'Esprit la force de trouver. C'est les ressources. Amen, amen, amen. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne s'épuisent pas. Ils renouvellent leur force. Marcher par l'Esprit, c'est l'art de prier en s'appuyant sur Dieu. Amen. Vous voyez, quand on va faire les évangélisations, les gens se demandent, mais pasteur, comment vous enseignez autant d'évangélisations? Où vous avez les ressources? Mon ami, c'est parce que quand je ne prie pas par les gens. Je ne compte pas sur les gens. Je n'ai pas dit que Dieu ne passera pas par les personnes, mais je ne détermine pas les personnes. Parce qu'il y en a qui prient comme ça. Par exemple, tu veux l'argent pour construire ta maison. Tu regardes le ciel. Oh Dieu! En même temps, tes yeux regardent ton oncle. Oh Dieu! Donne-moi. Amen. Mais il faut toucher le gars là. Il n'a qu'à me donner. Parce que la plupart des personnes sont convaincues que Dieu ne peut pas intervenir directement. Donc eux-mêmes ici, la route qu'ils doivent prendre. Quand ils n'ont plus d'oncle ou de personne qui puisse les aider, ils ont l'impression que Dieu ne peut pas les aider. Oh Dieu, tous ceux que je comptais sont partis. Tu m'as abandonné. Pourquoi tu parles de moi? Ça veut dire que toi,
Dieu te donne le bonheur par des gens. Dieu te réconforte par des gens. Dieu te donne... Non, tu dois marcher par l'esprit. C'est-à-dire, quand je demande à Dieu, « Seigneur, j'ai regardé ta face, tu m'as dit quoi ?» Il dit, « Va évangéliser dans tel village. » Je dis, « Seigneur, je compte sur toi, je m'appuie sur toi pour y arriver. » C'est la force de Dieu. Comptez sur l'Esprit Saint dans toutes vos choses. Il va passer par des personnes. Il peut passer par ton oncle, il peut passer par autrui. Mais ce n'est pas facile hein, de s'appuyer sur Dieu pour faire les choses. Ce n'est pas aussi simple. Notre chair a tendance à aller chercher ses ressources chez d'autres. Mais l'Esprit qui est en toi t'apprend à regarder le ciel. Confie-toi en Dieu. Tes forces ne vont pas te manquer. On me demande souvent comment tu fais pour tenir autant de temps physiquement. Je finis de faire les cultes, je vais en croisade. Je fais 3-4 jours de croisade. Je fais une veillée de 7h, 8h de temps debout. Quand le matin finit, je prends la voiture. On peut rouler 700, 800 km. On rentre sur Abidjan. Je fais le culte samedi soir. Et puis dimanche, je fais 3 cultes. Et puis après, on fait culte des boss. Et puis après, je fais réception. Et puis après, lundi, je suis en forme. Je me repose. Lundi, je suis en forme. Dieu m'a fait grâce. Je ne tombe pas malade. Dieu m'a fait grâce. Que son nom soit béni. Amen. Mais c'est pourquoi tu n'es pas malade? Parce que ce n'est pas moi. C'est par lui. C'est par lui. Je ne m'appuie même pas sur mon intelligence. Je ne m'appuie même pas sur ma force. Non, il m'était fatigué. Mais en fait, ce n'est pas ma force. C'est sa force que j'épuise. Or, elle est infinie. Donc, ceux qui s'appuient sur Dieu renouvellent leur force. C'est-à-dire que le lundi, il m'a dit, repose-toi lundi. Lundi, quand j'ai fermé mes yeux, je me suis reposé. D'ici lundi soir, mardi matin, c'est comme si on vient d'allumer notre moteur. Et puis je suis là encore. Je dis, hé, c'est comme si je ne me fatiguais pas. Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas mon énergie. Je marche par l'esprit. Un jour, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, si on enchaîne les croisades, ça fait trop, on n'aura pas les ressources. Il dit, pourquoi tu dis ça? Parce que tu pries, mais tu regardes les gens. Je dis, ah bon? Il dit, c'est par moi. Voilà. On a fait une croisade. Cette fois-ci, les ressources ne sont pas arrivées de Kodesh. C'est venu d'ailleurs. Il dit parce que tu ne comptes pas forcément sur les gens. Tant que tu les réussis vers moi, je renouvelle tes forces, je te donnerai toujours les ressources. Ceux qui s'appuient sur Dieu renouvellent leurs forces. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Parce que ce n'est pas leur force, c'est celle de Dieu. Quand tu comptes sur lui, tu pardonnes et tu n'es jamais fatigué de pardonner. Parce que ce n'est pas toi qui pardonnes, c'est lui qui donne la force. Si tu t'amuses à compter sur ton cœur pour pardonner aux méchants, troisième méchanceté, tu as dit, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Sors-moi de ce foyer. Sors-moi. Demande sa force. Demande sa force. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que sa grâce soit avec toi. Marche selon l'esprit. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Si tu marches avec lui, tu marches devant sa face. Tu marches par lui. Non, tu vas marcher par l'esprit. Tu vas suivre l'esprit. Que la grâce soit avec toi. Que la faveur soit avec toi. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il te donne la victoire sur toutes les adversités, que le récepteur soit éteint, que tu marches par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Élève la voix et parle à ton Dieu. Dis au Seigneur que tu veux marcher par l'esprit. Tu veux marcher selon l'esprit. Applique ces trois éléments-là seulement. Fais l'effort de marcher avec, de marcher devant sa face en appliquant les choses que je t'ai dites. Tu verras que tu ne seras plus envoûtable. Les sorciers n'arriveront plus à te donner les maladies qu'ils t'envoient. Tu vas sortir de leur carcan. Tu seras délivré définitivement. Ce mois-ci, tu prends autorité, tu renverses les autels, mais tu désactives aussi le bouton qui était en toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ton esprit. À toi la louange. Alléluia. Je veux marcher, je veux marcher, je veux courir, je veux courir, je veux marcher, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir, je veux courir vers toi mon Père, et me retrouver, retomber dans tes bras, papa. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux
Dans le puissant et précieux nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Si tu étais béni par la parole du Seigneur, tu vas acclamer très fortement le Seigneur. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair et tu vas désactiver ainsi le récepteur du diable. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la parole reçue ce matin en lui apportant nos offrandes de reconnaissance. Et ceux qui ont prévu d'honorer des vœux apportés au Seigneur pour la construction, pour des programmes, en tout cas des vœux qu'ils ont faits, c'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur et d'apporter nos offrandes. Les paniers vont passer, recueillir les offrandes. Et pendant ce temps, nous allons suivre les Good News.